comment vous êtes vous-même devenu pacifiste? Oh, ça serait une longue histoire. Je pense que le point de départ, ça a été la guerre, bien sûr. Puisque malheureusement, je suis très vieux aujourd'hui, ça veut dire que j'ai connu cette époque de la guerre. Et vraiment, le déclic, ça a été le jour où j'ai vu torturer un homme. Jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas posé trop de questions. Mais quand j'ai vu torturer un homme, vu et entendu, ça a été pour moi la fin de tout. Enfin, j'ai déserté, je peux dire, en quelque sorte. J'ai déserté la guerre à ce moment-là. Et vous avez l'impression que pour devenir pacifiste, il faut avoir subi ce genre de... Ben, ça dépend. On peut le devenir par réflexion. Mais je n'avais pas une formation universitaire, je n'avais pas à étudier les philosophes. C'est après seulement que je me suis plongé dans des écrits que j'aurais peut-être dû découvrir avant, que j'ai lu Romain Rolland et tout ça. Et c'est bien après que j'ai rencontré Louis Lecoing, le Père Lelong, des gens qui ont été Jean Guéhenno, qui ont été en quelque sorte mes maîtres en la matière. Alors parlons un petit peu de Louis Lecoing, justement, parce que est-ce que vous pensez que c'est un exemple dans le pacifisme, Louis Lecoing? Ah, non seulement c'est un exemple, mais je pense que c'est un cas presque unique, parce qu'il a été l'un des premiers vraiment forcenés, si on peut dire, défenseurs du pacifisme intégral. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pacifistes à moitié, enfin, qui disent « oui, mais ». Lecoing, ce n'était pas « oui, mais », c'était « oui ». Et il n'y avait pas à en sortir. Il avait très bien compris que, par exemple, le pacifisme sans l'antimilitarisme, c'est aussi stupide, aussi bête qu'un escalier sans marche. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pourquoi... lui n'a jamais varié, sa ligne de conduite a toujours été la même, que ce soit en 1939 quand il a été arrêté, emprisonné, ou au moment où il s'est battu pour le statut des objecteurs de conscience. Il l'a toujours considéré à très juste titre, et c'est là que je le rejoins pleinement, que la guerre est vraiment un crime contre l'humanité. On parle toujours de crime de guerre, il n'y a pas pire aberration, il n'y a pas de crime de guerre. C'est la guerre qui est un crime, il n'y a pas un crime dans le crime. Et lui a toujours considéré que la guerre étant un crime, il était absolument impérieux de lutter non seulement contre la guerre, mais contre les causes de la guerre. Et malheureusement, aujourd'hui encore, nous sommes obligés de reconnaître que la principale et la plus fréquente cause de la guerre, c'est une cause commerciale contre cette cause-là. Mais ça, c'est une chose contre laquelle on lutte jamais. Voilà. Il y a des guerres comme ça. On dit, oh merde, on est intervenu dans la guerre. On est obligé de faire la guerre parce qu'on a vendu des armes à un fou. Et dès que ce fou est désarmé, on le réarme. C'est un cercle vicieux. Et on le réarme pourquoi? Pour éviter d'avoir des chômeurs. On aime mieux avoir des monuments aux morts que des caisses de secours des chômeurs. Non mais c'est une folie, on est en pleine dinguerie. Or on sait très bien que le monde est condamné s'il ne met pas un terme à la violence. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Moi j'en suis convaincu, mais à fond, c'est que c'était Gide qui avait raison quand il disait... Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de gens pour s'élever contre la fabrication et la vente des armes à tout le monde, parce qu'on vend à tout le monde, il suffit de vouloir. Si demain vous avez assez de pognon pour acheter un cuirassé, on va vous le vendre tout de suite, il n'y a pas de doute. Alors, vous comprenez, ça peut être n'importe qui l'achète, ça peut être le dernier des cinglés. On est prêt à vendre la bombe atomique à des Amin Dada ou à des gens comme ça. Bien entendu, elle nous retombera dessus. Mais ça, on s'en fout parce que c'est après. Alors, les hommes politiques sont entièrement responsables de tout ça. Ils ont une attitude criminelle contre laquelle nous devons absolument nous élever. Alors, vous-même, vous avez collaboré au journal Liberté de Louis Lecoing. Ah oui, j'ai collaboré pendant des années. Oui. Alors, quel homme était-il d'abord, Louis Lecoing? Comment il se présentait si... Oh, c'était un tout petit bonhomme. C'était un tout petit bonhomme extrêmement calme, extrêmement
silencieux quand il, quand, qui savait très bien écouter, si vous voulez. Mais quand il se mettait à parler, il ne parlait jamais fort, on l'écoutait vraiment. Parce qu'il y avait une espèce de magnétisme chez lui, dans son regard presque d'aveugle. Parce que moi, quand je l'ai connu, il n'était pas encore aveugle, mais il commençait à perdre la vue. À la fin, il était pratiquement aveugle. J'ai des lettres de lui où les caractères sont gros comme ça, parce qu'il écrivait au jugé, il ne voyait plus rien. Et jusqu'au bout, il a lutté, on peut dire qu'il a lutté jusqu'à son dernier souffle. Puisque à un moment donné, il s'était un petit peu retiré du mouvement. Il avait réussi, à force d'économie, à force de racler les fonds de tiroir, à s'acheter une toute petite maison dans le Midi. Il était parti là-bas avec sa femme pour se retirer. Et puis, à ce moment-là, sont arrivés les premiers procès d'objecteurs de conscience. Alors, il a dit à sa femme, il faut y aller. Ils ont besoin de moi, il faut y aller. Mais pour y aller, il fallait de l'argent parce qu'il fallait lutter. Alors, elle a dit d'accord. Ils ont mis la maison en vente et elle est morte. Alors, il a dit, j'avais son accord, j'ai pu partir. Et il a vendu la maison, il est venu et il a tout bouffé, absolument tout ce qu'il avait, pour se battre contre la guerre, et il s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Alors le thème de liberté, le thème essentiel, c'était la défense des objecteurs et aussi l'antimilitarisme. Oh, voilà. Oui, enfin c'était plus largement la lutte contre la guerre, défense des objecteurs au départ, mais c'est devenu très vite un journal pacifiste à tout craint, enfin avec des collaborateurs tous bénévoles bien sûr, parce qu'il n'était pas question de demander un centime à Le Coin qui d'ailleurs lui-même n'avait rien du tout, enfin il faisait tout avec des bouts de ficelle, c'était lui qui faisait tout dans ce journal. Et je crois que ce qu'il y avait de très beau chez cet homme, c'est qu'il s'est toujours battu sans tenir compte de lui, sans tenir compte de ses souffrances. C'est une espèce de saint laïque, vous savez. C'est pas, je n'exagère pas en disant ça, je pèse mes mots en disant que Le Coin était un saint laïque. Alors, quand vous êtes rentré à l'Académie Goncourt, vous avez aussi pris le... disons, la place d'un autre écrivain qui était pacifiste, Jean Giono. Ah oui, j'ai pas pris sa place, enfin, il était Giono, mort. Giono venait de mourir. Oui. Giono qui a dit d'ailleurs, qui a écrit cette phrase devrait inscrire sur toutes les écoles, à l'entrée de toutes les écoles, quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. Et il expliquait ça en disant, il avait tout à fait raison, parce que le pacifiste est toujours seul. Et ça, il l'avait payé très cher aussi, lui, puisque lui aussi a été emprisonné pour ses idées pacifistes. Oui, alors justement, Jean Giono, qui lui, en 1934, avait déjà publié dans la revue Europe un article virulent en disant « Je ne veux pas obéir ». Ben, c'est ce qui est devenu la préface, c'était la préface aux cahiers de Moleskine de Lucien Jacques. Et c'est refus d'obéissance, c'est ça. Il refusait la guerre, il refusait d'obéir. Il faut dire qu'il l'avait faite et qu'il l'avait faite dans des conditions assez atroces. Et en 1938, alors il publie aussi La Lettre aux paysans. Oui, et où, là, sur la pauvreté. Sur la pauvreté, oui. Et sur la paix. Oui. Et là, il espère justement que les paysans vont se révolter. Malheureusement, les paysans n'ont pas tellement suivi. Non, les paysans sont partis à la guerre comme ils étaient partis en 14. Ils sont repartis en 39 et bon, il y a eu moins de morts peut-être au départ, mais enfin, il y a eu quand même un gros progrès, parce que je crois que la guerre de 14 avait fait 5 ou 6 millions de morts. La guerre de 39-45, c'est autre chose. Hein. Je crois que Giono a été très déçu de l'attitude des hommes, très, très ulcéré par cette espèce d'esprit de défaite, finalement. Parce que quand on accepte la guerre, c'est toujours une défaite. Et alors, il demandait justement, il disait là dans ce livre que j'ai un petit peu relu, les paysans peuvent arrêter toutes les guerres. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça, que les paysans peuvent arrêter? Aujourd'hui, je ne pense pas, non. Mais les ouvriers, oui. Parce qu'il n'y a pas de guerre qui résisterait à une grève générale. Si demain il y a une déclaration de guerre et que tous les, les,
tous les mécaniciens de chemin de fer, tous les pilotes d'avion, tous les tourneurs dans les usines, tous les gens qui conduisent des engins se mettent en grève. Une grève générale, c'est le meilleur moyen d'arrêter la guerre, hein, y a pas de doute. Ça fait partie de la résistance non violente. Et c'est là que Gide a raison. La résistance non violente, c'est ça. Savoir qu'on peut, simplement en ne faisant rien, c'est-à-dire en étant des insoumis, on peut arrêter la guerre. Ça, c'est formidable. Mais il faut ajouter à ça une phrase très importante de Jean Guéhenno qui dit « La guerre, c'est toujours la mort des autres. » Parce que vous savez très bien que si demain nous partons tous les deux, vous et moi, pour la guerre, et qu'on nous dise il y en a un des deux qui va être tué, vous penserez que ce sera moi et moi je serai persuadé que ce sera vous. C'est pour ça que nous partons. Parce que si on partait avec la certitude d'être tué, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de guerre. Là, autrement dit, tout ce qu'on peut appeler héroïsme, si on veut, ça se cache toujours derrière le plus grand égoïsme. Oui, c'est pour espérer pouvoir s'en sortir. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Et revenir avec une médaille grosse comme ça. Alors, ce qui faisait aussi bondir Giono, c'était que les gens pensaient que la guerre pouvait être utile. Et lui disait, la guerre est inutile. Ah bah, non seulement est inutile, mais elle est nuisible. Elle ne peut jamais être utile, c'est pas vrai. À partir du moment où on tue des hommes, on ne peut pas dire que quelque chose soit utile. Alors, René Dumont, maintenant, on va en venir un petit peu à René Dumont, lui... Mais lui, je sais que c'est un pacifiste intégral aussi, alors. C'est pour ça que j'ai tant d'admiration pour lui. Alors lui, justement, a... Attendez, pardon, je vais changer la batterie, là, avant qu'on parle de René Dumont. Voilà, alors René Dumont, lui, a entendu le tocsin sonner le début de la guerre de 1914, et il était à l'époque à Rubécourt, dans les Ardennes, et lorsqu'il a entendu les cloches sonner, il était assez content, lui, et son grand-père lui a dit à ce moment-là, mais la guerre, c'est le massacre des paysans. Oui, c'est le massacre des innocents, par définition. Mais bien sûr que c'était à l'époque le massacre des paysans, parce que c'était les paysans qu'on envoyait toujours parmi les premiers, enfin les paysans et les ouvriers. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que des paysans, il y en a un ou il y en avait 1000 autrefois, alors ça ne ferait pas des régiments. Donc maintenant, c'est tout le monde qui y va. Mais l'aspect qui a le plus changé de la guerre, c'est que maintenant, elle ne tue pas que les gens qui vont se battre. Autrefois, c'était, on disait, oh, pauvres soldats, ils vont aller se faire tuer. Aujourd'hui, on peut dire pauvre humanité. Parce que s'il arrive une guerre demain, vous aurez beau être chez vous, à Lyon, à Besançon, à Vesoul ou n'importe où, vous y passerez comme tout le monde. On sait très bien qu'aujourd'hui, la guerre ne tue pas que des soldats. Elle tue autant de civils et quelquefois plus de civils que les soldats. Parce que je pense que la dernière qu'on a vue, la guerre du Golfe, il n'y a pas eu beaucoup de soldats tués, mais il y a eu beaucoup de civils. Alors justement, puisqu'on parle de la guerre du Golfe, on va tout de suite y venir. Là. Est-ce que vous pensez que c'est une guerre pour le pétrole ? Probablement. Mais aujourd'hui, quand ce n'est pas une guerre pour le pétrole, c'est une guerre pour l'acier, pour l'uranium, pour disons... En gros, pour l'argent, pour des intérêts. Ça a toujours été comme ça. Mais avec des motivations officielles qui étaient un petit peu différentes. Mais enfin, quels ont été les grands bénéficiaires de la dernière guerre ? Ce sont quand même les industriels, il n'y a aucun doute. On a poursuivi des soi-disant criminels de guerre. Je répète, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de criminels de guerre puisque c'est la guerre qui est un crime. Mais M. Krupp, à ma connaissance, il se porte pas mal. Hein. Puis son pognon aussi se porte pas mal. Et tous les autres avec. Je cite M. Krupp, mais on pourra en citer comme ça quelques centaines. Hein. Les gens qui ont construit le mur de l'Atlantique, à ma connaissance, ils n'ont pas été fusillés. C'est toujours la même chose, c'est toujours le pauvre type qui trinque et les autres qui ramassent le pognon. Et parfois aussi les intellectuels finalement, ceux qui, soit d'un côté, soit de oui, l'autre... Oui, on en a fusillé quelques-uns quand même, hein, et c'est peut-être là justement qu'on pourrait discuter un peu plus. Je pense que fusiller Béraud, on ne l'a pas fusillé, mais s'en est fallu de peu. S'il n'y avait pas eu de Gaulle pour le sauver, il y passait. C'était quand même peut-être un petit peu une injustice, alors qu'on ne poursuivait absolument pas
ni les commerçants, ni les industriels qui avaient travaillé directement pour l'ennemi. Alors, vous collaborez encore à un journal qui s'appelle L'Union Pacifiste. Enfin, vous avez envoyé quelques articles, notamment pour la guerre du Golfe. Oui. Quel était le point de vue que vous avez exprimé là, dans l'Union Pacifiste? Pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'envoyer des articles à l'Union Pacifiste pour la guerre du Golfe, par exemple? Ben, d'abord parce que je pense que c'était le seul, d'abord c'est le seul organe qui m'en ait demandé. Vous savez, on ne s'adresse pas à des gens comme moi dont on sait très bien qu'ils vont mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas dire qu'en France aujourd'hui la presse déborde de courage, la grande presse. Hein. Quand on attaque un petit peu trop violemment l'armée ou les gouvernants, on a peu de chances d'avoir longtemps la parole. Ça passe une fois, mais ça ne passera pas deux fois. Alors évidemment, je sais que l'Union Pacifiste publiera mes articles, même s'ils sont violents. Et puis je le fais un petit peu en souvenir de Le Coin, parce que je pense qu'on n'a pas le droit de laisser tomber un mouvement pour lequel il a tant donné, il a tant sacrifié. Le Coin, pour moi, c'était mon père spirituel, hein, alors je crois que je lui dois beaucoup. Alors, vous avez salué René Dumont dans l'Union Pacifiste. Vous l'avez salué parce que vous avez aussi eu connaissance de ses positions pour cette guerre du Golfe, notamment. Mais je sais très bien ses positions, je les connais à l'avance. C'est un humaniste. C'est un homme intelligent et c'est un homme qui a toujours donné l'essentiel de sa personne pour défendre ceux qui ont besoin d'être défendus, pour défendre ceux qui sont en péril. Je sais bien qu'un homme comme ça ne sera jamais favorable à la guerre. Ça ne m'a absolument pas surpris de le retrouver en tête d'un mouvement qui s'élevait contre cette guerre qui est tout aussi absurde que toutes les autres. Qu'est-ce que vous avez lu comme livre de René Dumont? Vous avez pu lire? Je crois que j'ai à peu près tout lu. J'ai dû lire une dizaine ou une quinzaine de livres. Je ne me rappelle pas combien il en a écrit. Ça doit être à peu près ça. Hein. Une cinquantaine. Ah ben non, alors je n'ai pas tout lu. Non, mais c'est parce que les premiers, vous avez dû lire les plus importants. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui est son best-seller. Bien sûr. Et puis L'Utopie ou la mort, au moment un peu avant sa campagne présidentielle. Et je vous dirais que je n'ai pas un très grand souvenir des titres des livres. Ce qui me reste davantage, ce sont les idées, c'est le contenu et c'est l'essentiel de ce qui est en lui. Finalement, on peut dire que ce sont des livres d'un homme intelligent qui sait laisser parler son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de livres de gens très intelligents qui sont difficiles à lire et qui nous touchent peu parce que c'est de l'intelligence pure. Chez lui, il y a une espèce de cœur énorme qui déborde et qui voudrait pouvoir faire quelque chose, mais bien souvent, naturellement, il est comme tous les autres, hein, il se heurte à des murs qui sont plus durs que lui. Mais on sent tellement qu'il a une espèce de vocation à faire toujours saigner son cœur. Et c'est ça, je crois, l'essentiel de ce qu'on peut dire de René Dumont. Et pour vous qui êtes un écrivain qui préférait mettre en scène des personnages, comment vous percevez René Dumont comme aussi peut-être un personnage? Non, attention, je préfère mettre en scène des personnages, c'est une façon de parler, parce que je suis romancier par nature, par tempérament avant tout, et un romancier c'est un homme qui raconte des histoires, quand il essaie de faire autre chose, généralement ce qu'a sa figure, mais j'aurais bien aimé être capable de faire autre chose aussi que des romans, c'est-à-dire d'écrire des livres d'idées. Bon, ça m'est arrivé une fois, j'aimerais bien pouvoir exprimer des idées et écrire des livres de combat, parce que les romans ne sont pas des livres de combat, ou s'ils le sont, ce sont des mauvais romans. Enfin, on n'écrit pas des romans à thèse. Mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ni la culture, ni probablement le tempérament d'un René Dumont. Alors, est-ce qu'il est parfois difficile d'être pacifiste dans certaines situations? Parce que les pacifistes, on les accuse parfois d'avoir fait perdre la guerre. Ah oui, on a entendu M. Mauroy qui a dit « Ce sont les pacifistes qui nous ont fait perdre la guerre de 1939 ». Mais a-t-on jamais entendu pareille bourde?
Enfin, il y en avait 15 en 39. Si c'est eux qui nous ont fait perdre la guerre, alors bravo, ils étaient vraiment très forts. Et pourtant, ils étaient en prison, oui, Le Coin, Giono. Ah non, alors, vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai fait un saut comme ça sur ma chaise. Et alors, justement, au moment de la guerre du Golfe aussi, les pacifistes étaient accusés de faire descendre le moral de la population. Le moral des troupes, qui ont défilé l'autre jour comme s'ils avaient fait Verdun, mais on n'a plus aucun sens du ridicule, vous comprenez. Plus aucun sens du ridicule, c'est fini. Oui, d'ailleurs, René Dumont l'a encore dénoncé, ce défilé des massacreurs du 14 juillet dans le journal Le Monde. Oui, oui. Les massacreurs qui n'ont pas massacré grand-chose de difficile à massacrer. Hein. Ils n'ont massacré que des populations qui ne pouvaient pas se défendre. Mais alors le fait d'être peu compris en définitive quand on est pacifiste et de voir qu'en France, le mouvement pacifiste est très faible quand même. C'est pas seulement en France, malheureusement. Il n'y a pas qu'en France que les mouvements pacifistes sont faibles. On n'a jamais compris, nulle part véritablement, sauf quelquefois épisodiquement, parce qu'un homme a réussi à en entraîner, comme Gandhi, comme Chavez, des gens comme ça, on n'a jamais voulu comprendre la force de la résistance non violente. Et c'est ce qui fait le malheur de l'humanité. C'est qu'on peut toujours résister par la non-violence et on préfère toujours la violence. Mais c'est parce qu'il faut changer fondamentalement et les institutions et les hommes. Tant qu'on n'aura pas modifié complètement les structures et qu'on n'aura pas été jusqu'à modifier le tempérament de l'homme, on fera passer la violence avant la non-violence et je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde courra à son suicide. C'est inéluctable. On a trouvé des armes, des moyens de faire sauter je ne sais combien de fois la planète. Pourquoi voulez-vous qu'un jour, il n'y ait pas un fou qui appuie sur le bouton? On sait très bien que ça arrivera, mais on ne sera plus là pour le voir. Vous savez, j'ai habité la Suisse pendant quelques années. J'ai entendu un jour une émission qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, j'en avais peut-être encore quelques-uns à l'époque, pendant près d'une heure, des spécialistes de tous horizons ont parlé des abris anti-atomiques pour dire, et ils n'ont jamais parlé au conditionnel, ils ont toujours parlé au futur, pour dire nous ferons ceci, nous ferons cela, voilà comment les choses se passeront, et nous serons les grands vainqueurs. Ce sont les grands vainqueurs parce que nous resterons dans nos abris, et nous sortirons, une fois que tout sera fini, on vivra 8 jours ou 8 heures de plus que les autres. On claquera évidemment, puisqu'il n'y aura plus rien. La Terre sera vitrifiée. Mais la grande victoire, ça aura été de démontrer que les abris anti-atomiques peuvent permettre de vivre 8 jours de plus. Voilà où est la victoire. Alors comment se fait-il que les pacifistes n'arrivent pas à arrêter les guerres? Qu'est-ce qu'il faudrait pour arrêter les guerres? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, c'est tout. Parce que les hommes sont lâches, parce que les hommes n'ont pas le courage, comme le disait Giono, d'être pacifistes, ils préfèrent être soldats, ils préfèrent marcher. Et parce qu'il y a au fond de l'homme un fond de violence qui est là et contre lequel il faut lutter. C'est pas naturel, c'est pas toujours naturel d'être non-violent. Moi aussi j'ai un fond de violence en moi et je suis toujours en train de lutter contre ce fond de violence. Je suis toujours en train de me battre contre moi-même pour essayer d'être moins violent. Mais c'est très difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend. Mais on a dans tous les pays fondé à grands frais, on fait fonctionner à grands frais des écoles de guerre, même si on appelle ça autrement. On n'a jamais, il n'y a pas un seul pays qui ait ouvert une véritable école de paix. Et pourtant, ça pourrait se faire en même temps que les écoles de guerre, c'est-à-dire qu'on pourrait petit à petit passer de l'un à l'autre, apprendre aux gens que s'il y a un moyen de se défendre avec un fusil, il y en a aussi un autre de se défendre autrement et qu'il est moins dangereux. Mais ça, on n'a jamais voulu essayer même de le faire. Il n'y a pas un État qui ait eu le courage de le faire, parce qu'on sait très bien que les...
les lobbies de l'armement sont derrière et ne laisseront pas faire. Alors justement, René Dumont propose, lui, pour résoudre, en tant qu'agronome, pour résoudre les problèmes de la faim dans le monde, qu'on lui donne simplement 5% du budget annuel de l'armée, et avec ça, il pourrait résoudre les problèmes de la faim. Mais oui, bien sûr. Mais vous savez, 5% à René Dumont pour résoudre les problèmes de la faim, 5% à un autre pour résoudre les problèmes des écoles, 5% à un autre pour résoudre les problèmes du chômage, parce qu'on retourne toujours à l'envers, on retourne toujours les idées à l'envers. On dit « Ah non, si on fabrique plus d'armement, il va y avoir plus de chômeurs. » Mais qui aura le courage de le faire? Le chef d'État qui aurait le courage d'essayer une chose comme ça laisserait certainement un grand nom dans le monde. Et puisqu'ils sont tous plus orgueilleux les uns que les autres, il y en a peut-être un qui pourrait y penser, ne serait-ce que pour sa petite gloire personnelle. Merci. Alors Bernard Clavel, est-ce que vous trouvez qu'il est normal d'accorder une Légion d'honneur, c'est-à-dire une décoration, pour des faits militaires? Parce que, définitivement, c'est une décoration militaire. Ben naturellement que c'est normal, puisqu'elle a été créée pour ça. C'est une déviation de l'avoir accordée à des civils. Napoléon a créé la Légion d'honneur pour récompenser des assassins. Il ne l'a pas créée pour récompenser des instituteurs qui faisaient bien la classe. Et vous me disiez tout à l'heure que René Dumont avait été rendre sa Légion d'honneur. Il a bien fait de la rendre, mais je pense qu'il aura encore mieux fait de ne jamais l'accepter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais accepté aucune décoration, pas plus celle-là qu'une autre, parce que je n'ai pas besoin de cocarde. Ce que je pense de moi me suffit. Ce qu'en pensent les gens qui distribuent des cocardes et qui, quelquefois, les vendent, ne m'intéresse absolument pas. Mais je salue, bravo René Dumont d'avoir rendu la Légion d'honneur, mais vous aviez eu tort de l'accepter.